Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ces temps assez difficiles, hein, un temps de confinement où ce que tout le monde doit rester à la maison. J'ai eu le temps de faire quelques kilomètres, j'en fais des montages vidéo en ce moment, et voici mon premier épisode. Bon matin, coach Jonathan Goulet, le Road Warrior de la route de Guerrier. Jour numéro 1. Jour numéro 1, on part. Ben vous partez. Moi je reste ici. Mon toboggan il se prépare. Préparation à la bataille comme on disait dans l'armée. C'est toujours des vieux avec moi. Mais. Ouais. Vidéo. On sait pas combien de temps on doit sauver. Aussi longtemps que tes dents sont pas sèches. Bon voyage. Merci, merci. Je suis ici en train de marcher avec le groupe. Charles vient de quitter. Ici est Jordan. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut tout le monde. C'est vraiment beau, c'est très tranquille. Tu bouches les oreilles et tu regardes de l'autre côté à la place. Ça va, ça va. Ouh là là. Beau ce qu'ils font ici. Grèboisement dans Longueuil. Un premier 6 km de fait. Puis, non, c'est vraiment cool. Je viens de quitter ma fille. Elle est partie avec mon ami Jordan. Puis, mes amis m'ont quitté un petit peu avant aussi. Puis, c'était vraiment, vraiment cool. Là, ma copine Marie-Hélène Parent me suit jusqu'à ma destination finale de la journée. Puis, non, c'est vraiment cool, une belle petite aventure qui commence. À Longueuil, le sentier France-Canadien n'est pas déneigé au complet. Puis il faut que j'installe mes roues. J'ai acheté un support à roues pour kayak pour pouvoir circuler sur le trottoir comme ça. Il est là. Heureusement, ma copine n'a pas filmé mes déboires avec ce traîneau-là. J'ai fait trois coins de rue, à peine 10 minutes. Une chance, je l'ai mis en accéléré parce que vous avez vu combien de temps j'ai perdu à installer ces roues. Qu'est-ce qui se passe? Pas travaillé fort, j'ai juste enlevé la neige dessus. Mon chum va pouvoir se réchauffer cette nuit. C'est pas grave. C'est pas grave, j'ai un matelas, j'ai plein d'affaires. Attends, j'ai... Arrête de niaiser. Bon, là j'ai plus de batterie, mais voici à peu près où je vais dormir. Petit feu qui va être là. Oh là là. J'ai eu une très très belle journée. On a su s'adapter, improviser. J'ai eu quelques accompagnateurs qui se sont joints à moi ce matin. Puis ma copine vient de partir. J'ai monté mon petit setup ici. Et voilà. Avec le petit feu. Mon campement, c'est là que je vais dormir. Puis c'est ça. Demain, ça va être une autre belle journée.
direction Chambly. Chambly, me voilà. Belle petite aventure, une belle journée. Je ne sais plus si c'est mieux de la journée d'hier. C'était incroyable. J'avais une gang d'élèves à Tristar où je m'entraîne, où je les entraînais, qui étaient avec moi. C'est des élèves du Wimp to Warrior, un programme d'entraînement qui est vraiment formidable. Puis les gens qui sont, puis qui entourent l'événement sont vraiment formidables aussi. Aussi du reste, la journée était vraiment belle. J'ai eu quelques pépins, bien entendu, mais j'ai, comme j'ai mentionné au début de la journée, c'est l'ajustement. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu dois toujours t'ajuster, puis c'est ce que j'ai fait. J'ai eu à travailler beaucoup plus fort parce que dans la ville, je n'avais pas de roues. J'ai cassé, après même pas 10 mètres, j'ai cassé les roues pour transporter mon traîneau dans la ville. Mais c'est correct. C'est le sentier transcanadien est quand même plus super. Et je me suis trouvé un petit endroit où camper, j'ai mon feu. Puis beaucoup de boucanes dans le visage. Mais je vais dormir ici, à la Belle Étoile. J'ai super bien dormi. Il commence à faire plus froid que tantôt. Mais c'est pas super. On va s'en sortir. Je vais manger une bonne soupe chaude avec des nouilles. Je vais probablement commencer à m'installer pour dormir. Mon feu il est bien seté. J'ai du bois pour la nuit. On verra rendu là. Je suis en forme, ça va bien. Oui, je suis fatigué, mais ça va. C'est une fatigue normale.